Bonsoir à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les sacoches, qui s'accrochent les amis. Incredible des Lionel, Diego, Mahrez, Dembélé, Macron, Thauvin. Et les amis, on a retrouvé l'Olympique de merveille, l'Olénique de Marseille. On nique tout le monde, la vie de ma mère, on rejoue le titre les amis. On est sur le podium, on a gagné Caen. C'est plus Caen, c'est Caen. C'est Caen qui gagnait match, c'est Cancre. Oula, des cancrignoles, je savais même pas qu'ils étaient en Ligue 1. Oula, c'est qui Caen? Oula, c'est con, une bande de cons. Palmarès de Caen, on est en Ligue 1. La vie de ma mère, ils ont aucune histoire. Le club, il a été fondé il y a 2 ans. La vie de ma mère, ils sont là, mais des ploucs. Des ploucs humains, Caen. Oh, j'ai trouvé, les amis, on a trouvé plus nul attaquant que Mitroglou et Germain. C'est Crivelli, l'attaquant de Caen. Mais c'est qui ce mec? Wallah, on dirait un prof de sport au collège. Il est là, wallah, c'est un imposteur. La vie de ma mère, je crois c'est l'oncle du gardien, je sais pas. Oh, Crivelli, mais la vie de ma mère, c'est Cri Vaoli. Vaoli, espèce de fils de serre-tête. T'es nul, t'es pourri, wallah, t'es un abruti. Oh, il était un maître des cages, sale nulard, va. Et nous, on a Kostas Mitroglou. Mitroglouglou, un des meilleurs attaquants en Europe. La vie de ma mère, son petit regard de violeur, il intimide les gens. La vie de ma mère, un prédateur des neiges, les amis. Qui peut s'asseoir à sa table et lui dire, je suis plus efficace que toi? Qui, les amis? Personne. Oula, il faut pas avoir peur de mettre Mitroglou dans le même sac que les Neymar et les Mbappé. C'est la vérité, les amis. Mitroglou, ballon d'or. Oula, les amis, il est dans le top 5 des attaquants en Europe. C'est un attaquant pur, les amis. Pur, la vie de ma mère. Le violeur des surfaces, il viole tout le monde. Il est incroyable, Mitroglou. Cette tête de bûcheron, la vie de ma mère, il m'a fait plaisir, les amis. Mais les meilleurs, c'est Lionel Diego. Lionel Diego, croissant pain au chocolat. El Magnifico, El Unico, El Driblo, El Pepito, El Lucarno, El Unique Magnifico de Lionel Diego Casse-Croûte Thauvin. Il est incroyable ce mec. Wallah, il mérite le ballon d'or. Il mérite capitaine au Real Madrid. C'est la vérité. Il est sous-coté, les amis. Wallah, il est sous-coté. Le meilleur joueur de Ligue 1. Le plus efficace avec Valère Germain, avec des joueurs comme Germain, Mitroglou. Voilà, des joueurs avec des Adil Rami. Il arrive à être meilleur buteur de Ligue 1. Alors imaginez, vous le mettez avec des Ramos, mais il reste chez nous. Et c'est Thauvin qui nous fera gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Moi je vous le dis, c'est plus Thauvin, c'est Musée Grévin. Il mérite une statue, la vie de ma mère, vos grand-mères qui tuent. C'est incroyable. Mais Valère Germain, ce fils de maïs, pourquoi on le fait rentrer? Voilà, ce stadier, c'est un stadier, Germain. Il est nul, voilà, il gère rien. C'est dans les match comme ça, même contre Caen, tu marques pas. Alors c'est Caen que tu vas marquer, espèce de faux attaquant. Il y en a marre, oula. C'est pas un attaquant, c'est un attaque Caen. Il attaque même pas Caen, t'es nul. Oula, nul. On a joué contre des plots humains. On a joué contre des, oula, des maçons. C'est la vérité. Ils ont un deuxième boulot, oula. L'autre, Beauvu, il travaille à Subway. Oula, il est serveur, les amis. Il a un deuxième boulot, mais Crivelli. Oula, Crivelli, mais va trouver un autre sport. Va faire golf de handball, va jouer en équipe de France de volleyball, mettez le footballeur le plus nul de l'histoire du football depuis que le football a été créé dans l'histoire du football. La vie de ma mère, j'ai jamais vu, c'est pas un footballeur lui, c'est un handballeur. Oula les amis, horrible cette équipe de merde. Mais l'Olympique de Marseille, enfin on prend les 3 points, parce qu'en ce moment on se prenait des points de suture dans le cul. C'est la vérité, on a perdu à Chypre, c'est plus Chypre, c'est Chibre. Ils nous ont mis un Chibre dans le cul. On a fait match nul contre des nuls, c'est pas normal, les chypriotes, les papillotes, ouais. Et là, on retrouve, parce que cette année, les amis, faut dire la vérité, on est super puissant, les amis. On est super fort, on est plus fort que Lyon. On peut battre le PSG, c'est la vérité. Mais je sais pas ce qu'on a contre les gros. Oula, on coule. Oula, regardez-moi ce fils de poisson. Oula, Mitroglou. On dirait pas un nom de poisson, la vie de ma mère. Mon collègue, il est revenu de la pêche, il m'a dit, j'ai pêché un Mitroglou sauvage. La vie de ma mère, frère. Un poisson de Norvège, ce Norvégien. Mais il a mis ma TV à l'abri, Mitroglou. Wallah qu'il est là, c'est un buteur pur, pur les amis. Pur, wallah. Il me rappelle Trezeguet.
Enrique à l'époque. Voilà les amis. Il nous fera gagner la Ligue des Champions. Il nous fera gagner des titres. C'est lui les amis. Bande de pupitres que vous êtes. Voilà, jaloux de l'Olympique de Marseille. C'est Cancrignol. Qu'est-ce qu'ils ont cru là avec l'autre là? Voilà, Beauvu. C'est qui Beauvu? Voilà, on l'a pas vu. C'est plus Beauvu, c'est beau pas vu, espèce de pas bouvre. Vous êtes nuls. Voilà, bande de nullards que vous êtes. Allez l'OM les amis, c'était une formalité. C'est pas une grande victoire. Voilà que c'est banal pour nous. On attend les gros, on attend le PSG, ils doivent se caguer, ils doivent se chier dessus les amis en attendant l'OM.